Eh bien, salut les cocos! Figurez-vous que j'ai un examen demain pour mon université et je suis en train de stresser comme un malade. Du coup, j'ai besoin de parler. Et du coup, cette fois, c'est tombé sur vous. Pas de chance. Pas de chance, franchement, pas de chance. Non, je rigole, à part ça, si vous avez pas envie d'écouter, vous partez. Mais moi, j'ai juste besoin de parler parce que j'en peux plus. Je peux pas sombrer dans le stress tout seul, tu vois. C'est impossible. Du coup, et vous savez, depuis tout petit, je fais ça. Dès que j'ai un examen, un truc qui me stresse beaucoup trop, qu'est-ce que je fais? Je viens jouer à un jeu, mais complètement. J'allais dire débile, mais c'est pas le cas, parce que Metroid, c'est quand même un classique, mais. Mais complètement minimaliste, genre qui demande pas de réflexion. Un truc abrutissant. Voilà. C'est. Est-ce que Metroid est abrutissant? Non. Quand même. Mais voilà. Du coup, voilà, quand je dis abrutissant, c'est ça. Genre buter des ennemis qui te tombent dessus, tirer en l'air sans réfléchir. Pour moi, c'est ça abrutissant. Après, le jeu en lui-même n'est pas abrutissant, mais des séquences comme ça, au début du jeu, c'est abrutissant. Faut le dire. Par contre, toi, tu vas pas me faire chier. Ouais, casse-toi, t'as raison. Et voilà, depuis ça, j'ai toujours fait ça. Du coup, je continue à le faire maintenant, c'est marrant que je réalise ça. Je réalise que je suis toujours en train de faire ça à 26 ans maintenant. Ça n'a pas changé depuis depuis 8 ans. C'est pas mal quand même. Mais voilà, j'ai besoin de décompresser. Et franchement, ça marche. Enfin, ça marche moyen, mais ça marche quand même un peu. Parce qu'après, voilà, l'examen il va quand même se passer demain, donc je peux jouer autant que je veux à Metroid, ça va pas. Faire en sorte que l'examen ne se passe pas demain, tu vois, donc franchement, voilà. Comment ça se fait que j'ai que 39 d'énergie, alors que je me suis genre pas fait toucher? Peut-être parce que je suis... je suis au début du jeu, et puis du coup, y'a personne qui... J'ai aucun pouvoir, rien du tout. Bon là je fais quoi? Je continue en haut en bas ou bien je vais tout droit? On dirait tout droit. Ah, c'est là que j'étais mort l'autre fois. Je sais pas si c'est une très bonne idée d'aller là, honnêtement. Oh putain, on gagne de la vie vite. J'en suis à 64. Autant dire le double de ce que j'avais, quoi. Non mais... Par contre, c'est con que je peux pas tuer les ennemis qui sont par terre. Oh non. Oh non. Mais là je fais quoi à part ça? Je fais comment là? Je continue normalement? Bah ouais, vas-y. Puis on se casse. Ouais. Ok. Wouhou! C'est con que je puisse pas tuer, je disais, les ennemis qui sont à la hauteur de mes pieds. Non! Parce que voilà quoi, je peux même pas me baisser pour leur tirer dessus, tu te rends compte? Bon, j'ai passé. Mais je sais pas où je vais en fait. Oh! Ce saut! Ce saut! Ils sont chiants ces petites pastilles qui volent là. Ouais, c'est des pastilles, on est d'accord. Oh! Fuck, non! Oh! Ça c'est bien, je crois. Yes, réserve d'énergie, ça te rajoute une barre en plus. Un truc comme ça. Yes, ça veut dire que j'ai 99 x 2. Yes, c'est tellement beau! Je peux plus mourir. Oh non! Oh, est-ce que vous avez vu cette esquive? Appelez-moi le dieu de l'esquive maintenant, s'il vous plaît. Ce sera juste. C'est mon titre honorifique. Mais regardez ça, je me fais plus toucher. Il s'est passé un truc là. Fuck you. Vas-y, je continue à avancer tranquillement. On ramasse des objets sur le chemin. Pas trop mal. En bas, y'a rien. On va aller en haut. Oh. Moi, je prends les premières portes que je vois parce que je connais rien. Oh, ça a la même musique que les salles de sauvegarde. Est-ce que vous croyez que c'est une salle de sauvegarde?
Non mais par contre, bute ce moustique, hein. Il va me faire chier sinon. Butez-moi ce moustique. Je peux pas tirer par terre, je peux tirer en haut devant moi. Vous imaginez la galère. Genre ça, tu peux pas le... Ah oh, mais c'est... Voilà, putain, non mais c'est pas possible. Il suffit qu'il soit pas à ta hauteur pour que c'est foutu, quoi. Regardez celui-là, on va l'avoir comme ça. Ah, dès qu'il remonte. Dès qu'il remonte. Remonte, s'il te plaît. Ah, tant pis. Il y en a trois, c'est trop. C'est trop chaud. Je me casse. Pourquoi il y a la musique des salles de sauvegarde s'il n'y a pas de salle de sauvegarde? Non, je peux pas y aller. Tellement chaud. Bon, allez vous faire foutre, sinon je passe comme ça. Ça va très bien aussi. Piou. Ah puis c'est bon, je peux pas aller plus haut. Je peux pas leur marcher dessus non plus, donc je peux pas... Mais... Normalement je pourrais leur marcher dessus, non? Ou alors c'est eux? Je peux pas les tuer, eux? Non? Alors lui, je peux le tuer. Peut-être que lui, si je le tue, il donne un truc. Non. Du coup, pourquoi je suis venu là? Bah pour rien. Ok, parfait. Du coup, je devais prendre une porte avant. Qui allait me faire aller à un endroit mieux. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Oui. C'est marrant ce jeu. Ah oh, mais je dois repasser tout ça. Ça va être chiant ça. Bon quoi que je suis le dieu de l'esquive maintenant, je vous rappelle. Let's go. Oh Moustique-man. Oh Moustique-man, qu'est-ce que tu fais? Il m'a pas encore enlevé une barre d'énergie entière, ça va. Tant qu'il me reste un petit carré, parce que vous voyez le petit carré à côté du 10. Ça veut dire qu'il me reste 90 d'énergie dans ce petit carré. Donc tant que ce petit carré est là, on peut dire que je suis assez tranquille, niveau vie. Ah ça c'était pas mal. Bah voilà, j'en suis à 0-0. Yes, j'en ai buté un. Faut que c'est con de les buter parce que à chaque fois que tu quittes la salle, il repop. Il repop. Du coup, à chaque fois que tu retourneras dans cette salle, tu devras les rebuter. Est-ce que ça vaut la peine? Moi, je pense que tracer tout droit dans la salle, ça, c'est beaucoup mieux. Parce que t'as vu le temps que tu mets à... Je dois mettre combien de petites boules sur un type pour le buter? Enfin, sur une pastille. Je sais pas, moi. Vas-y, du coup, c'est là. C'est ici que je devais aller, en bas ou en haut. Ou bien alors, je viens d'en bas, je sais plus. Je crois que je viens d'en bas. Ouais. Oui, je viens d'en bas. Du coup, je dois aller en haut. Non, je viens de la gauche. Bon, on va quand même aller en haut. Parce que nique, voilà, nique la logique. Ça se trouve, je peux même pas aller en haut. Oui, je peux aller en haut. Alors, toujours des pastilles, hein, ça change pas trop d'avant. Bon, je peux même pas les toucher. Puis la distance à laquelle va mon tir, on n'est pas prêt de les toucher. Hein. Ah quoi? Je peux faire le wall jump? Je pense pas. Bah non. Ah mais je peux... Mais quel con. Vous êtes sérieux? On dirait que je suis en train de le injecter. Prends ton vaccin, petit. Prends ton vaccin. Ou ton vaccin, ou bien t'as... Oh merde, il y avait du seul mouvement. Bon, on va te faire foutre. Merde. Bon, là c'est foutu, on est d'accord, je peux plus y aller. J'adore être coincé au début du jeu comme ça. On va aller encore plus haut, du coup. On va aller encore plus haut. Et y a rien encore plus haut. C'est parfait. J'adore être bloqué au début des jeux. Oh, ça, c'est la technique de l'ascenseur qui descend plus vite. Par contre, va falloir récupérer de la santé parce que ça va plus là. Eh, pas mal la technique de l'ascenseur. Bon, je perds de la vie évidemment. Mais bon, voilà. Ok. Ouh, on a gagné 5 points de vie, je crois. C'est pas beaucoup, mais...
et je crache pas dessus. Oh, pas mal ça. On a gagné encore une fois 5 points de vie. C'est de la merde. Et donc eux, ils sont juste là, d'après ce que j'ai compris, pour te donner de la vie en fait. Ils sont juste là pour popper à l'infini, pour te recharger ta vie. L'autre, il m'a fait stresser la boule de pique. Il m'a fait stresser la boule de pique. Oh, ça c'est bien. C'est un missile, je crois. Oh, mais attends, j'ai des missiles. Regardez à gauche. Tellement d'extase. Tu vois, un si petit truc. Oh non. Comment je fais pour tirer les missiles? Je le découvrirai probablement jamais parce que je vais mourir avant. Oh, je crois que c'est ça, regardez. J'appuie sur Select, ça, je deviens bleu. Oh, ça tire un missile, ok. Putain, ils avaient déjà assez de graphisme pour faire des missiles. Incroyable. Bref, on va se casser parce qu'on va crever sinon. On va complètement crever. On va crever. 5 points de vie. J'ai pas envie de dire que c'est chaud, mais c'est chaud, hein. Vas-y, on se casse. Alors là, il y a intérêt à avoir une salle de sauvegarde parce que sinon je suis dans la merde. Il y a un truc. Mais ça a pas l'air d'être une salle de sauvegarde. Ça a l'air d'être un truc bizarre. Kazako. J'ai 4 points de vie. Hein. Sachant qu'un ennemi m'en enlève 5 en un coup. Ok, j'arrive dans une nouvelle zone toute jolie et toute. Enfin, toute jolie, vite dit. Toute bizarre. Mais ça serait cool qu'il y ait une salle de sauvegarde en fait. Ok, on va pas aller par là. On va aller plutôt l'autre parce qu'avec un peu de chance, il y avait une salle de sauvegarde à droite. Ok, non, l'autre était clairement mieux. Putain de merde. Bon, autant dire que j'ai perdu quoi. Non, mais celui-là il est faisable, à part ça, je peux le buter lui. Par contre, ça prend du temps, hein. C'est quoi ce qu'il y a par terre, là? Je sais pas. Ah, c'est ça. C'est des... Bah voilà, c'est fini. Génial. Ah, parce que tu vas me dire qu'il n'y a pas de salle de sauvegarde et tu dois rentrer ce password à chaque fois que tu veux continuer. C'est nul. Ah non! Je recommence là! Trop beau. Autant continuer un petit bout. Bon, par contre, ils ont pas redonné notre vie. Ça, c'est un peu chiant. Ils nous donnent 30%. 30 points de. 30 points de vie. Attends, j'ai envie de vous dire, regardez par vous-même, voilà. Avec un gameplay comme ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas faire grand-chose, hein. Oh, yes. Yes. J'ai passé. On attend qu'il crash. On y va. On y va. On y va. Ouais, je peux pas faire grand chose avec un gameplay comme ça, hein. Y'a pas grand chose à faire. Missile! Vous allez me dire, je pourrais utiliser mes missiles. Ce qui est vrai. Ah, je peux pas le toucher lui. Ah, ça c'est marrant. Les ennemis qui ne peuvent pas être tués. Et donc là. Ah! Ouais, bon, sauf que. Une fois que t'es là-bas, tu peux rien faire en fait. Je peux pas poser de bombe, je peux. Ah, je peux faire une capture d'écran. C'est pas ça que je voulais faire, monsieur. Bon, bref, je peux rien faire. Je vais devoir rebrousser chemin. Ça va être le rebroussage de chemin le plus dangereux de ma vie, je crois. C'est parti. Ah bah non. Super. On continue. Moi, comme je vous ai dit, depuis tout petit, je fais ça. Je fuis mon stress. Non, je fuis pas mon stress. J'injecte mon stress dans un jeu complètement débile. Bon, là, c'est pas complètement débile, c'est Metroid. Ok, je ferais. C'est un peu faire affront à la série que de dire que Metroid est complètement débile, mais dans un jeu abrutissant. Bon, Metroid est pas abrutissant, mais vous avez compris ce que je veux dire.
Pour moi, pour l'instant, au début du jeu, genre sauter partout et tirer sur les petits bonhommes, c'est abrutissant. Putain, mais c'était clairement faisable de ce côté-là aussi, hein. C'était même plus faisable que de l'autre côté où j'ai passé. Et là, je fais quoi? Je fais ça. Ok. On va peut-être, voilà, encore tirer sur celui du haut. Oh non, 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 non. Merci. Attends, on y va. Ah, genre... ah, je suis déjà en PLS. J'ai ma santé qui clignote. Vas-y, là, tu me mets une salle de sauvegarde, s'il te plaît. Mais je sais même pas s'il y a déjà les salles de sauvegarde dans celui-là. Enfin, quand je dis déjà, c'est le premier du jeu, donc... forcément... pas déjà, mais... je peux pas le buter, lui, ok, parfait. Oh, je saute pas assez haut. T'es sérieux quand tu dis ça? Mais t'es sérieux quand tu dis ça, putain? Comment c'est possible? Je vais peut-être marcher sur le petit bonhomme qui vole. Mais si j'essaye, je vais mourir parce qu'il me reste 10%. Enfin, 10... oh putain. 10 points de vie. Ouais, voilà. Nice. On va continuer. On perd pas espoir. On est persuadé qu'on va y arriver. Vas-y. De toute façon, c'est un peu comme ça dans la vie en général. Quand t'es persuadé que tu vas y arriver, tu y arrives. Parce qu'il y a un moment où t'es tellement persuadé que personne peut te dépersuader que tu vas pas y arriver. Tu vois? Et à ce moment-là, t'as réussi. Au moment où ton... ah! Au moment où ton avis personnel passe avant celui des autres, t'as réussi. Parce que voilà. Du coup, t'écoutes plus les autres et tu te fais confiance à toi. Et comme toi, tu sais que tu réussis, bah voilà. C'est chaud, j'ai déjà 10 points. Enfin, 10 points de vie. 15 maintenant, parce que j'ai repris. Mais ça reste chaud. Même si je le bute, ouais, voilà, je pourrais pas aller le chercher. De toute façon, celui-là, il est au-dessus de la lave, va te faire foutre. Du coup, on avait été en haut, maintenant on va aller en bas. Genre là. Et là. Et voilà. Et si ça se trouve, il y avait une salle de sauvegarde ici. Peut-être pas du tout. Qui sait? Oh! 5 points de vie. Ouais, bah, ils me prennent en gangbang au milieu, là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Au moins, on avance, puisqu'on sait les chemins qu'il faut pas prendre. En même temps, il faut recommencer avec quoi? J'ai pas vu. 30. Ouais, 30, c'est pas beaucoup quand même, hein. Autant dire qu'on nous envoie à la mort directe, quoi. On va essayer un truc. Ça marche bien. Non, je rigole. Je voulais lui tirer un missile dessus, mais il est tellement... il bouge tellement dans tous les sens que j'arriverai jamais à le viser. Et j'ai pas envie de gaspiller des missiles, j'en ai 10. Donc voilà. Non! Pas déjà! Pas déjà! Lui, je peux l'avoir. Peut-être avec un missile. Non, ok. Vas-y, on va se buter le petit blanc. Ah, on peut pas, ok. Ok, ok, il est trop bas. J'ai envie d'aller voir, avant d'arrêter, parce que je vais bientôt arrêter, hein. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a dans la salle où on n'a pas été, où on est mort juste avant de découvrir ce qu'il y avait. Donc vous savez, c'est la salle qui est... oh, nice esquive! Merde, il nous suit du coup. Et du coup, il fait ramer tout le jeu. Il fait ramer tout le jeu. Il fait ramer tout le jeu. Non, c'est bon. On la se met. C'est l'ennemi. L'ennemi ultime, c'est l'ennemi qui fait ramer le jeu. Il est pas là pour te tuer, il est juste là pour faire bugger ton jeu pour que tu puisses plus jouer. Donc là où je voulais en venir, c'était aller en bas. Voilà, ici. Voilà, c'est ça que je disais. La porte, je voulais voir ce qu'il y avait derrière. Parce que j'étais mort là, mais je sais plus comment. Une façon débile, je crois. Ah oui, à cause de lui. Cette fois, on l'a évité. Et à cause de lui aussi, il y en avait deux. Putain, faut que tu cours là. Putain, mais c'est des malades. Mais vous avez vu ce parcours du combattant?
Parce que là, on est d'accord, je vais pas m'arrêter pour leur tirer dessus, hein. On est d'accord. Surtout vu le nombre de petites boules que je dois leur mettre dans la gueule. C'est des petites boules, ouais. On leur tire dessus. Mais rien que ça, je trouve ça, c'est un peu nul, ça. Voilà. Tu tires, la boule, elle s'arrête à 2 mètres. Même pas 2 cm, quoi. Si tu mesures sur l'écran, c'est 2 cm. Hein. Et sûrement, dans la taille réelle du jeu, c'est sûrement 2 mètres. 2 mètres, c'est pas beaucoup. Hein. C'est à peine la longueur de ma bite. Je rigole. Bon. Bon, vas-y, tue-moi. C'est de la merde, je recommence. De toute façon, on n'a pas de compteur de vie, apparemment. Donc on va... On va y aller comme ça. Et on va essayer de se... C'est mal parti. On va essayer de se faire ce parcours du combattant. Si je le passe, et qu'au bout il y a un truc encore plus difficile, il va se faire foutre. Ce jeu il va se faire foutre, ok? On fait ça comme ça. Sympa ça. Ah, ça c'était pas mal. Ah, ça c'était pas mal. Ça c'était pas. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Voilà, là c'est l'heure de sortir les grands dictons que t'as toujours entendu. Genre. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Genre de truc qui te casse les couilles que t'as envie de baffer celui qui t'a dit ça. Parce que c'est le genre de type qui te le dit, ou de meuf. Moi c'était en général c'était les maîtresses qui te le disaient ça à l'école primaire. Et il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. En général, c'est le truc que tu dis à tout le monde, mais que toi, t'appliques pas. Voilà. C'est juste pour te la péter, genre, je connais un dicton de la langue française. Ta mère la pute. Bon, allez. Il me reste 10 points de vie, c'est de la merde. Lui, il sert à rien parce que je peux pas le buter. Il est juste là pour m'empêcher d'arriver à mes fins. Pas trop la musique, cela dit en passant, parce que j'ai un peu baissé le son pour pouvoir vous parler plus librement, mais du coup j'écoute pas la musique, peut-être vous l'entendez. Dites-moi si c'est une OST de malade mental. Bon, par contre, passer ça avec 10 points de vie, je crois pas. Est-ce que je peux buter eux avec un missile? On va essayer. Non, ok, parfait. C'est bon à savoir. Il va venir vers moi ou pas? J'ai pas l'impression. Oui, il va venir. Je gère pas. En plus, c'était pas comme si c'était hyper chiant à y retourner à chaque fois, mais un peu, hein. Un peu quand même. Parce que vu la vitesse où notre bonhomme se déplace. Alors, ça, c'est une esquive de. Vous avez vu, j'ai pas... Non. Par ça, j'ai meilleur temps de rester là et de buter le petit bonhomme qui va venir. Ah bah non, il lui donne pas de soins. Ouais, par ça, j'ai meilleur temps de passer par en bas. Comme ça, je peux buter les petits bonhommes qui sont au-dessus de moi, au moins. Sauf s'il me donne des missiles, évidemment. Mais donnez-moi pas des missiles. Donnez-moi de la vie, je sais pas. Voilà. Ah, il m'a donné 5 points de vie. Vous direz, c'est mieux que rien, mais ouais. Pff. C'est vrai que j'aurais toujours pu faire ça, en fait, depuis le début. C'était un peu con de ma part de passer par au-dessus. Bon, lui, je peux pas le buter. Faire foutre. Là, c'est bon. Est-ce que lui, je peux le buter? Ah oui, on dirait que oui. Attends. Peut-être pas, en fait. Non. Vas-y, go. Attends. Ouais. Vous savez quoi, on va s'occuper des missiles. Comme ça, on va pouvoir défoncer la gueule au gros bonhomme là-haut. Voilà, exactement. En un tir, il est mort. Ça va être plus facile comme ça, je pense. Bon, pas tant que ça, en fait.
sinon on reprend notre vie avec eux. On peut faire ça aussi. Parce que l'autre bonhomme n'a pas l'air d'être là. Ah oui, il est là maintenant. Voilà, nique ta mère. Ta mère, fils de pute. Merci. On a 28. Il y en a un autre. Monte, 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 monte. Il est mort. Vie. J'ai besoin de la vie. Donnez-moi de la vie. C'est bon, j'ai trouvé la technique. Non, 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 mais c'est impossible. Non, non, mais là, faut arrêter de déconner. Oh, il me pousse dans la... Quel fourbe. Vas-y, bute le deuxième. Bon, à part ça... Merde, mais moi, je... Comment ça? Bon, vas-y, missile, rien à foutre. Tiens, tiens, merci. Et il me donne un autre missile. Merde. Eh, faut être motivé. Faut être motivé pour faire ce jeu. Hein. Dès le début, c'est chiant, quoi. Bon, de toute façon, même s'il aurait droppé un truc, j'aurais pas pu le chercher. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est pas bien. Il donne la vie. Il m'a donné 5 points de vie, sachant que j'en avais que 5 déjà. Comment ça se fait que j'en ai... Comment ça se fait que j'en avais déjà que 5? Putain de jeu de merde. Merci. Déjà, je commence bien parce que j'ai 35 points de vie au lieu de 30. Donc ça, c'est un bon début. À part ça, on va pas s'attarder sur tous les ennemis. Hein. Clairement pas. Vas-y, 30 points de vie, pour l'instant c'est bon. Un missile, on s'en fout. Ah! C'est ça que c'est bon! C'est ça que c'est bon, sa mère. C'est cool parce qu'en même temps, quand je parle, ça paraît séduisant. Et pour pécho des meufs, ça c'est bien. Non mais je veux dire que tu puisses t'exprimer librement, ça, faut que tu le saches. Petit Jérémy, ou qui que tu sois, un gars qui parle, ça plaît. Voilà. Donc du coup, plus tu parles, plus tu peux pécho. Bon, à part ça, ce jeu, il va aller se faire foutre bien profond. Ou pas. Non, mais oui, il va aller se faire foutre, parce que moi, j'en ai ras le cul. Je continuerai limite la prochaine fois, quand je serai un peu plus chaud et plus motivé à tirer des petites boules partout, parce que là, c'est pas mon délire ce soir. Surtout que je dois aller encore. J'ai pas fini de réviser. C'est marrant. Allez. Moi, je vais vous laisser là. Je vous dis salut et à une prochaine.